des engagements non respectés et des relations de plus en plus tendues. Entre la Chine et les États-Unis, rien ne va plus. La guerre commerciale s'intensifie, une guerre qui affecte les deux parties. Les gens devraient se préparer mentalement aux frictions commerciales des 20 prochaines années entre la Chine et les États-Unis. On ne devrait pas se dire qui est le plus fort d'entre nous. Chacun avance à son rythme. Conséquence de ces tensions, Jack Ma est revenu sur sa décision. Une décision qui consiste à inscrire 1 million d'entreprises américaines sur ses plateformes pour leur permettre de vendre leurs produits à la classe moyenne chinoise. Les Américains se retrouvent donc privés 1 million de postes supplémentaires. Je pense que la situation économique est mauvaise. Cela peut durer plus longtemps que prévu. Nous devons toujours nous attendre à ce que les mauvaises périodes durent plus longtemps. Principale cause de ce conflit, les taxes imposées par les États-Unis. Des taxes qui s'élèvent jusqu'à 200 milliards de dollars. Ces frictions commerciales semblent s'éterniser et l'économie des deux pays risque d'être affaiblie.